PEGI 18. Comment on en est arrivé là? La technologie fait des progrès phénoménaux, que ce soit avec les yeux cybernétiques ou les membres artificiels. La promesse d'un avenir meilleur. Nous avons désormais le choix de nous affranchir de nos propres limites. Force, puissance, vitesse. Maintenant, je peux me concentrer sur l'essentiel. Ces augmentations ont-elles vraiment été testées? On nous accuse de choses contre nature, de nous substituer au divin. Au tout début, les gens craignaient l'électricité. Et pourtant, sans où en serions-nous aujourd'hui? Cette technologie tombait entre de mauvaises mains. Imaginez des virus, des maladies qui décimeraient l'humanité entière. Des scènes de terreur se succèdent un peu partout dans les personnes mécaniques. New York, Los Angeles, Shanghai. 9 millions de morts, et ce n'est qu'un début. C'est l'humanité tout entière qu'on prend pour cible. Ainsi que toutes les valeurs que nous défendons. C'était du piratage, ils n'avaient plus le contrôle. La réponse est-elle appropriée? Et pourra-t-on dire un jour plus jamais ça? Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. T'as essayé de me tuer. Que faut-il de plus à nos gouvernants pour envisager l'idée d'une ségrégation pour le bien de tous? On peut être politiquement correct ou jouer les imbéciles. Mais ça ne fera qu'empirer. La République tchèque vient s'ajouter à la longue liste des pays réclamant la déportation pure et simple de leurs citoyens. Nous sommes dos au mur. On nous signale une grave pénurie de neuroposine, le médicament permettant de combattre le rejet des implants augmentés. Et nous nous battrons pour préserver notre droit le plus fondamental, pour protéger notre mode de vie. Ils ont défilé aujourd'hui pour manifester leur colère. Vous pouvez protester, envahir les rues par dizaines de milliers. On ne se séparera pas de membres. Est-ce que c'est bien clair? Ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est une paranoïa totale du public, entretenue depuis le début par les médias. L'escalade de la violence à laquelle... Gardez bien à l'esprit que le prochain, ce sera peut-être vous. Nous ne nous laisserons pas réduire en esclaves par les multinationales. Nous lutterons. Pour eux, c'est nous l'ennemi. Tu vois ce que font les gens de ton espèce? Pardon? Écoute-toi, tu parles comme eux. Nous avons atteint le point critique. On ne peut pas continuer comme ça. Cette violence semble échapper à tout contrôle. Ce qui vous attend, c'est un état militaire vendu au grand capital. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pourquoi ils construisent des camps de concentration? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Après ce qu'ils viennent de faire, ces fanatiques aspapés de sang ne méritent qu'une seule chose. Beaucoup de gens sont morts. Et maintenant, vous voulez nous prendre notre liberté? Le prix à payer sera celui du sang. Plusieurs attentats à la voiture piégée. La coalition pour les droits des augmentés nie toute implication. Oh non. La loi sur la ségrégation a été votée. Elle entre en vigueur immédiatement. Il est demandé aux personnes augmentées de rejoindre des quartiers à l'écart et sécurisés. Je veux pas qu'ils me forcent à partir. Nous sommes toujours vos voisins. Vos frères. Vos sœurs. Vos conjoints. Nous avons tout perdu. Nos rêves. Notre innocence. Où vous l'emmenez? Où vous l'emmenez? Notre humanité.